Hey, bonjour mon XX Alorian et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Multi en point de CS4 de Cossacks. Comment ça va tout le monde? Ça va bien. Salut les gens. Ça va bien. Salut à tous. The final stretch. Ouais. The final stretch. Dernière session là. The final countdown. Bah là on va la foutre en feu l'Europe là. Je la pose. Ouais. Ouais, allez, c'est parti. Faisons ça. En guerre. Ah, briser les murs, ça sera pas très lent, cette guerre. Oh là 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 là. Oula, il y a tout qui se recalcule. J'ai le jeu qui est complètement freeze, moi. Pareil, pareil, yeah, pareil. Même chose. On va se... La normalité. Le jeu est en train de calculer le fait que c'est pas normal que l'Autriche soit aussi puissante. Ouais, ça vient de causer un bug. Et oh il vient mon de... dieu. Pouf, ok, ça a avancé de 12 jours de coup. C'est bien. C'est là qu'on la voit imploser, tu sais. Telle l'étoile de la mort. Ouais, oui, putain, ça. Rebelle, rebelle, rebelle. Ouais, c'est exactement Death Star. Faut trouver le point faible et lancer un missile juste dessus le point faible. J'aime bien tes plans, Codron. Ouais, oui. Pourquoi mes ordres chialent? Ils étaient parfaits, ils étaient stables, ils étaient heureux de la vie, et là, ils chialent. Ça se voit qu'on est en fin de partie, hein. La carte commence à puer en pouvoir, là. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est. Voilà, oh. 22, 8, 20. Sérieux? Donc moi je suis toujours en train de me remettre de la grosse guerre contre l'Autriche là. Bon, bourgeois maintenant. Tous mes pays sont contrôlés par... Tous mes provinces sont contrôlées par des ordres. Cette musique m'inspire. Elle inspire la confiance. La joie, la confiance. Ça y est, c'est encore ça, c'est bon, c'est reparti. Commandant TLS, sympathique, plus 55, parce que oui, donc il nous reste 21 ans. C'est vraiment la galère de terminer un let's play sur une révolution, quoi. Ah, t'es en révolution? Je me souvenais plus, ça. Ouais, je suis en révolution. On a eu quelques petits soucis, puis donc là, j'ai la Sibérie qui veut se libérer, on dirait. Ah ouais, c'est la merde. Oui, d'où t'as la Sibérie déjà à la base, quoi, sérieux. Ah oui, bien entendu. C'est des Russes. Ah là 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 là. Un d'accord, je suis arrêté au niveau 2, tu sais. Quelle honte. Bon, alors toi, mon con. C'est pas mon plus grand succès, hein, ce let's play, je tiens à vous dire. C'est. Alors j'ai plusieurs parce comptes à régler. J'en ai un avec l'Ottoman. Probablement que, comparé à ce let's play, le cadeau de la fête des pères que j'ai fait en deuxième, qui ressemblait un peu à. Un étui à crayon fait en papier à mâcher était probablement un plus grand succès. tu nous feras une vidéo pour raconter cette histoire là? Oui, pourquoi pas. Voilà, ouais. Et tu feras des doublages et tout. Pourrait être une idée. Bon, je sens que je vais faire un autre let's play où je vais commencer en tant qu'empereur du Saint-Empire et on va vraiment jouer avec le Saint-Empire à ce moment là. Parce que là, je peux absolument rien faire. Dismantle the Surge. C'est bientôt la prochaine expansion aussi, très très bientôt. C'est quoi, c'est le 4? J'ai déjà fait, c'est bon. Ça. Semaine prochaine. Bah ouais, c'est semaine prochaine là. Donc moi je vais essayer de finir d'enregistrer les autres séries avant. Ça c'est clair. Moi aussi je vais faire un petit stretch pour. Xalo, est-ce que tu comptes prendre Hambourg? Parce que Hambourg c'est un des seuls alliés au pape et j'aimerais bien lui déclarer la guerre pour que le pape me déclare la guerre et je lui pète la gueule sans que l'Autriche vienne en fait. Et après on pètera la gueule à l'Autriche. Mais je vais voir un peu si c'est possible pour moi de la prendre, je pense que c'est trop d'expansion. Ouais. Bah préviens-moi avant de la prendre et je déclarerai la guerre comme ça. Parfait. Ouais, je te dis. De toute façon j'ai presque fini, je vais avoir terminé mon siège puis je vais être à 100% dans quelques instants. Mais... Bah, je suis désolé parce que j'attaquerai un mec du Sergès, mais c'est pour la bonne cause parce que le pape c'est un allié à l'Autriche donc. Ouais, mais le problème c'est j'ai que. J'ai pas beaucoup d'expansion agressive en fait, génial! Ah, c'est parfait ça! J'ai pas comme conseiller ici moi d'ailleurs. Mais voilà, Scandinavie. J'ai une meilleure relation avec le temps, tiens. Ah, c'est la merde ça. Un règne déplorable, bah nickel! Ah, c'est déplorable! C'est un peu la merde en fait. Pourquoi le pape a. Ah non, j'ai rien dit. Autriche et Hambourg. Je sais même pas comment on est censé faire pour régler le problème. Ouais, non, tu peux faire ce que tu veux à Hambourg en fait. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il faut que je vois. Tant pis. Tu peux pas déclarer la guerre finalement. Non, je trouverai autre chose. Il faut vraiment que je récupère mes bleds là parce que ça, c'est vraiment. Ça s'est pas passé ça.
Est-ce que j'ai une falsification là-dessus? J'ai une falsification, d'accord. Il y a moyen pour moi de peut-être prendre la province. Le problème, c'est que... base tax 18. Putain. Ok, c'est bon comme province. Hein. Et si je déclare la guerre au pape, il y a l'Autriche qui vient l'aider. Et moi, j'ai la Russie et la Lituanie. Écoute, ça va être la guerre qu'on veut, non? Rebolote, hein. Bah c'est le truc, c'est que ça ferait, ça referait comme tout à l'heure, quoi. Enfin comme tout à l'heure, comme l'autre fois. Et l'autre fois j'ai pas compris, mais l'Autriche est surpuissante, quoi. Ah bah ça, je peux me permettre de prendre. Bon ben Hambourg n'existera plus. Ça me coûte presque rien déjà. Et c'est 18 base tax. C'est une ville libre, non. Faut que je me reconstruise fini. Déjà. Fini Hambourg. Il n'existe plus. Ah putain le Brunswick, quoi. Ouais mais attends là. C'est mon moment. C'est mon moment à moi. Allez, vite. Il faudrait que l'Ottoman déclare la guerre à l'Autriche. Ça. Bah moi, je voudrais bien, mais là, à l'heure actuelle, on est dans l'incapacité de le faire. Elle dit adieu à Munster aussi. Et voilà. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait déclarer une guerre à l'Autriche ou je sais pas quoi, là, c'était quoi? Rivalisons... Oui, est-ce que je rivalise faire, l'Autriche pour la fin? Simplement pour le For the Lulz? Ah, moi, qu'est-ce qu'il me déteste pas? En 44, ouais, hein. Par contre, faire la guerre de faut que façon, je pacifie mon propre guerre pays avant. Ouais, bah ouais, moi aussi, un peu, parce que c'est un peu la merde, hein. Parce que j'en ai rien à foutre de rivaliser la France, je vais pas déclarer la guerre à la France. Je rivalise l'Autriche, c'est super risqué pour moi, parce que ça va peut-être lui donner envie de me massacrer la gueule avant la fin, mais je veux me venger de l'Autriche, on va trouver un moyen. Allez. C'est vrai que j'ai saboté un peu mes relations avec la Russie hein, depuis, non? Non, je suis encore en alliance. On va envoyer un petit... Ok. Là, je me demande si je devrais pas complètement annuler ma doctrine d'espionnage pour reprendre un peu de puissance, puis... parce que c'est tellement inutile, là, finalement. C'est vraiment inutile. C'est clair que... pour ce qu'on s'en sert... J'avoue, c'est tellement inutile que je l'ai pas appris du coup. Ouais, mais moi je voulais le tester, hein. C'était tout nouveau à ce moment-là, il y a à peu près 6 mois. Et Putain, une révolte. Voilà. Mais où ça? C'est même pas moi ça. T'es pas un vassal? Oh, il y a 133 000 hommes de l'Autriche qui sont à. À côté du Mantoue là. Je sais pas si tu peux les voir. 82 non, de max de troupes. Ils sont rebelliés où, ces nazes? Ah, mais il y a des Espagnols aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il y a eu des rébellions, mais bon, bref. Passons. Est-ce qu'il y a moi? Bah, déjà, je vais corser ici. Phew, eh bien, on s'en est sorti, mais. Est-ce que j'augmente l'autonomie? Donc, l'objectif, c'était de déclarer la guerre à qui déjà pour l'Autriche? C'était quoi le plan là? Le plan c'était Moi je peux déclarer la guerre à Hesse ou Nassau par exemple. De toute façon l'Autriche m'a averti. Donc dans tous les cas elle va rejoindre. Peu importe à qui je déclare la guerre. Donc je peux déclarer la guerre à une petite alliance de merde. Donc c'est toi le bon plan en fait. Et du coup avoir Faudrait trouver une façon justement de déclarer la guerre à quelqu'un qui a comme pas d'alliance. Non? Ouais c'est ça ouais. Et donc du coup par l'Autriche exemple, Pologne. Je peux avoir Pologne Autriche dans la guerre. Je peux inviter la Russie. Mais en fait si on déclare la guerre à Hesse, dans la guerre, il y a Pologne et Autriche max. Ce qui est intéressant parce que Pologne va être plus difficile à siéger que les trucs de S. Si on veut avoir du score de guerre et tout. Là. S, je veux dire, ouais, c'est simple. Je peux vous inviter à vous trois en fait. Ah, bon. Donc, sachant que Tibbs, tu pouvais investir quoi? À peu près 88 000 hommes, c'est ça dans. Bah, dès que j'aurai terminé de gérer ma rébellion. Enfin, ma rébellion majeure là. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est surtout la merde chez moi. Bien comme il faut. Oh, voyons, si peu. Oh, on perd une montagne de blé, en plus. Dès que mon événement est terminé, je serai vachement plus apte à vous filer un coup de main. Ok. Bon, je suis sympa avec toi, Xalo, hein. Je te demande pas de rendre le territoire illégal. Hein. C'est bien, merci. Je tiens à te souligner que, voilà. Je suis très heureux. J'espère.
Mais, en contrepartie... Mais je vais déclarer la guerre à Nassau dans ce... 13... Je peux pas déclarer la guerre à Nassau, c'est une ville libre. C'est moins 3 de stabilité. Ouais, mais je... Oh, la France qui se fait violer par le Portugal. Nationalisme, prendre Anhalt, je serai un gars contre Nassau, Bohème, Bavière et Bad. Ce qui est gérable, pour moi. Mais... Voilà. Pas nécessairement. Normalement, l'événement va être terminé. Il faut que tout ce qu'on envoie nos agents hein, sur l'Autriche ou les FS, hein, genre semer la Discord et tout. Moi, je peux plus parce qu'elle a repéré mes agents. Ah merde. Je peux entacher. Moi, je fais pas trop ce genre de choses. Il faut qu'on le fasse. Hein. Faut vraiment qu'on la fasse saigner. Hein. Par contre, comment on termine cet événement? Ah, stabilité d'au moins 1. Autant pour moi. Fin de la révolution. J'ai terminé ce let's play avec littéralement zéro bateau. Genre littéralement depuis à peu près 1000 ans. Mais. Ouh. Bah, moi j'en ai jamais eu des bateaux. Bah, c'est parce vrai, que j'ai jamais eu accès à la mer. Voilà. On va booster un peu le temps qu'il faut. Ça aurait été extrêmement difficile. On est bien content que ce soit terminé. Et dire qu'on a failli perdre la Sibérie. Bon, je veux pas dire, mais il y a quand même 4 forts de niveau 8 sur mon pays. Donc, je souhaite bien du courage à l'Autriche pour m'assiéger. Ouais, j'ai pas une aussi bonne défense, moi. Manufacture. En même temps, quand t'as 219 de développement avec à peine 5 provinces. C'est vrai que ça fait pas mal quand même. C'est clair, ouais. Elles sont bien juteuses. Bien juteuses. Bon, allez, on va essayer de rattraper tout ça de notre côté. Ah, je suis plus un rival de l'Ottoman, tiens donc. Rival. Tu dois être trop puissant pour lui. Ça doit être ça. 1030. L'Ottoman, quand même, mange un coup dans sa tête. Là. Ouais, enfin, il a pris ma Serbie. Ça va pas le faire, ça. Parce que moi, je l'avais formé, la Serbie. C'était mon dada. C'était ton dada, la Serbie. Reste en poste. Go. Oh, putain. Hein? Il nous faut un roi. Moins 25 de tradition républicaine, je vais tomber à 20. Mais c'est vrai que t'es une république, toi. Ouais. Et je regrette pas du tout mon choix, c'est fantastique d'être une république. Ouais. Je peux perdre un stab. Je sais que ça va faire vraiment mal au cul, mais en même temps, je vais tomber à 65. Ok. J'aurai en besoin de prendre l'administratif, moi. Pas le choix. Tiens, 70 de république. Ça fait du bien, ça. Tiens, la France a fini sa guerre contre le Portugal. Bon. Je me demande si je transforme pas Cologne en marche, en fait. De toute façon, il est trop tard pour vraiment profiter de l'annexation. C'est fantastique, une belle marche. C'est de prestige. Alliance de la part de France, écoute. Si France peut nous rejoindre dans le conflit. Non, fais pas ça. Elle sert à rien là, franchement, t'as vu l'état dans lequel elle est. Non, j'ai vu, mais je me demandais si c'est quelques troupes de plus pour siéger l'Autriche, sachant qu'elle partage la frontière, dis-je. De toute façon, c'est moi le remplaçant de la France, donc. Ouais, clairement. C'est un blue blob, mais c'est genre un bleu ciel. C'est juste un autre type de bleu. Waouh. Voilà. Bon, par contre, j'aimerais bien me venger du pape avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, mais je suis vraiment un grand boulet. Mais non, voyons. Bon, c'est pas grave. Il y a que 58 000 hommes. Il faudrait vraiment que l'Autriche rentre en guerre contre un truc. Ok, j'ai des revendiques ici. Ouais, ok. Ouais, on va pouvoir commencer à s'en occuper de l'Autriche. Oui, j'ai compris.
On devrait vraiment déclarer la guerre à l'Autriche, vraiment. Oui, bah... Ça va se faire, mais deux secondes, il faut que Caudran le modeste 2 von Habsbourg est décédé. Caudran le modeste 3 le remplace. Ah, ça va alors. Ah, il est fort administrativement, ça me plaît. Parce que je suis vraiment à la dèche, là. En plus, il y a des révoltes qui vont arriver, ça va péter de partout, là. Alors, on va déplacer toutes nos forces. Ah, c'est l'heure. En ancienne... Non, je déconne. Comment ça, c'est l'heure? En nouvelle... Pas ancienne Hollande. C'est pas l'heure. Le troll. Ouah. Troll. Mais quel fanfreluquet, ce Caudran. Je vais te fanfreluquer, moi, tu vas voir. Aïe. Je pense bien que tu vas me franquer, là. Tu vas aimer ça en plus. Quand une 3 de siège sur mon général, c'est sympathique, ça va aider ça. Ah mon dieu, je regagne à nouveau de. Malgré tous les. Pour former. Négatif, je regagne de l'autorité. Pour former le Hanov, j'aurais besoin. J'aurais besoin de quoi? Lunebourg? Autriche, et pour former la Westphalie, j'aurais besoin. De toute façon, la Russie elle est en guerre, donc la guerre contre l'Autriche, c'est même pas la peine d'y penser. Mais vous croyez qu'on pourra genre faire une double guerre, par exemple, vous déclarez la guerre à la S. Ah merde, ça y est, j'ai les révoltes de merde. Vous déclarez la guerre à la S, avec vos alliés, et pendant que vous déclarez la guerre, je déclare la guerre. Genre au pape ou à l'Autriche, un truc histoire que l'Autriche arrive, et en plus de ça, je ramène mes alliés, genre la Lituanie et l'Espagne, voire l'Espagne. Moi je dis, tu fais exactement ça, mais en premier, on te laisse déclarer la guerre, Autriche voudrait rejoindre la nôtre, et après ça, nous on déclare la guerre. Ça me semble effectivement une meilleure idée dans ce sens-là. Ouais. Je suis assez d'accord, ouais. On a essayé l'autre fois, ça marchait pas. Ouais, genre. L'autre fois, on était absolument pas prêt pour déclarer la guerre, non. Non. Soyez phare, il va falloir que je la fasse parce que le pape, je l'emmerde. Et pour ça, il faut que je diminue. Hérésie. Sale. J'ai hésité à proclamer le statut des appels, mais on pouvait plus le faire à cette époque. Non mais sérieux, y a quelque chose qui m'empêche de massacrer Nassau là, présentement? Non. Hein. Bah moi, c'est Gueldre que j'aimerais bien massacrer pour le coup, mais bon. Allez, à Lituanie, Bretagne, Bavière, Saxe, Luxembourg, ça fait vraiment plus bad, Bavière, Bohème, Nassau et Gueldre. Il y a trop d'alliés, Anhalt, fait chier. Trop violent. Bad, Bavière, Bohème, Nassau et Gueldre. Nassau. Donc, je pourrais déclarer la guerre Nassau. Prendre Nassau. Et là, Bad pourrait rejoindre. Mais écoute, si Bad veut rejoindre, qu'il rejoigne. Et ensuite, mais je m'en fous, je veux pas prendre Nassau de toute façon. Ce que je veux faire, c'est prendre ma province pour connecter ma région. Mais ça va faire entrer en guerre Saxe quand même. Ça sera un plan. Ville libre. Moi, si j'essaie d'attaquer Nassau, c'est mort. Non, je veux pas attaquer Nassau. Je veux déclarer la guerre à Nassau, mais ne pas prendre Nassau. Je veux juste. Mais on va se retrouver en guerre contre l'Espagne également. Pourquoi? Non, mais c'est allié à l'Autriche. Attends, Antisax est allié à qui? Sinon, Bohème, Gueldre. Est-ce que Gueldre, c'est dans le coin? Ah, je pourrais déclarer guerre à Gueldre. Ah, plus d'alliés par contre. Bon, Lituanie. Non! Ouais, la Russie participe à une autre Bohème, guerre. Pour l'instant, elle n'est pas ultra motivée. Bavière. Bavière, c'est la merde, non, aussi? Ah, ben voilà! Est-ce que Bavière n'est pas dans le HRE? Bah oui, pourtant. What the fuck? Si. Nationalisme ou impérialisme? C'est quoi la différence? J'ai juste moins bon. Nationalisme, c'est juste meilleur. Ouais, d'accord. Voilà. C'est un peu ça. Bon, mais c'est la guerre. Donc si on venait à attaquer ces nazes, ça se passerait comment? Il faut que j'attende. C'est pas Il faut que j'attende.
pas trop trop déclarer des guerres. Pas sans vous en tout cas. Combien de troupes on a besoin si c'est juste putain de truc de merde fou. Je sais que c'est une armée, je veux voir la province. Là par contre c'est l'heure, la vraie là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la vraie heure. Incroyable. La vraie heure. Vas-y, Xaorian. Ouais, alors merci tout le monde d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, dans le dernier stretch de ce Let's Play dans la HRE. Hype. Salut. Allez, merci tout le monde et à bientôt. Bye bye.